Bonjour tout le monde et merci à tous, merci à tous. Vous êtes 5 000 à être abonnés à la chaîne YouTube Histoire d'apprendre. Merci à tous. Alors je ne m'attendais pas à ce que ça franchisse ces 5 000 abonnés aussi vite et ce week-end. Donc du coup, je suis, j'ai pas mon matériel de tournage habituel, donc je vous tourne ça un peu à l'arrache. Mais voilà, ça monte vite en ce moment, notamment parce qu'il y a le groupe Facebook qui monte vite en ce moment. Vous êtes nombreux à le rejoindre. Et comme lorsque vous adhérez au groupe Facebook, il y a dans le questionnaire d'adhésion, il y a on vous dit qu'on a une chaîne YouTube. Je pense que vous êtes assez nombreux à voir du coup la chaîne YouTube et à venir vous abonner suite à ça. Et en effet, la forte montée du groupe correspond à la période où la chaîne YouTube a beaucoup monté également. Mais voilà, donc merci à tous. N'hésitez pas à aussi activer les notifications parce que avec juste le système d'abonnement YouTube, vous serez nombreux à ne pas voir les vidéos, en tout cas pas de voir de notifications et les vidéos risquent de se perdre dans le flux des vidéos qui sortent sur YouTube parce qu'il y en a plein. Donc voilà, activez les notifications si vous voulez être sûr de ne pas rater nos vidéos. Et puis n'hésitez pas à aller voir nos différentes vidéos, ce qu'on a déjà publié, parce qu'on commence à avoir un sacré nombre de vidéos déjà publiées, parce que plus d'une centaine, avec une vidéo par semaine, sur plein de sujets, même si actuellement on parle beaucoup d'histoire de la mine, parce que c'est mon sujet de mémoire, d'ailleurs voilà. Je suis au musée de la mine, j'en profite pour tourner ici. Voilà, donc vous avez la maquette, la grande maquette, magnifique maquette. Le musée actuellement n'est pas ouvert, mais il sera réouvert l'été prochain. Enfin, sur rendez-vous aussi, vous pouvez appeler la mairie et chercher la mairie de Champagnac et vous aurez les informations pour prendre rendez-vous pour visiter le musée si vous le souhaitez. Mais sinon, cet été, il sera ouvert normalement tous les jours. Ça dépendra après de la situation sanitaire. En tout cas, voilà, merci pour tous ceux qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Merci, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui s'intéresse à ce qu'on fait, qui apprécie nos vidéos et qui, j'espère, apprennent des choses avec nos vidéos d'ailleurs. Aussi, n'hésitez pas voilà, à dire ce que vous avez éventuellement, si vous avez appris des choses grâce à Histoire d'apprendre, nous dire quoi. Parce que ça nous permettra d'avoir une idée de ce qu'on arrive à apprendre, à quel point ce qu'on fait sert à quelque chose. Et puis, voilà, et puis sur les nouveautés pour Histoire d'apprendre, on va sûrement acheter de nouveaux matériels. Notamment, j'essaie de réfléchir à avoir un micro-cravate de bonne qualité pour faire des tournages peut-être plus pratiques que juste le micro branché au téléphone qui. Et pratique pour les tournages bien posés au studio, mais pour bouger un peu plus, le micro-cravate peut offrir plus de possibilités. Et l'avantage, c'est qu'il sera toujours près de moi. Donc, tant qu'il est près, donc du coup, plus pratique quoi. Donc, faut que je vois qu'est-ce qui est possible d'acheter à ce niveau-là. Donc, merci. Voilà. Et puis voilà, je vais pas être beaucoup plus long, je dis beaucoup et voilà. Mais c'est vraiment l'improvisation. C'est de l'improvisation totale! Merci à tous et on se retrouve donc demain pour une vidéo sur les fermetures de mines en France et on se retrouve dans les prochains, de toute façon, par la suite sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, nos différents réseaux. N'hésitez pas à nous suivre dessus. Au revoir tout le monde et merci encore.